Bonjour. J'habite plus haut dans l'immeuble. Ouais, je me souviens de vous. Vous êtes blessé, je peux vous aider? Non, c'est... j'ai rien, moi. Bon, bah tant mieux. Par contre, je vais devoir y aller. Je voulais juste... protéger les petites. C'est passé trop vite, moi. Je voulais juste que ça s'arrête. Il y a eu un accident, c'est ça? Vous allez me défendre si je vais à la police? Vous voulez bien vous asseoir? Vous avez fait quoi, Clara? Si je parle pour les filles, j'ai empêché leur père de les tripoter. Moi, je suis leur mère. Et j'ai rien fait au début, quand ça a commencé. Et moi, si c'est moi, j'ai tué mon mari. L'autorisation de sortie de la 215, c'est vous? Je sais plus, peut-être. Bah, ça pourrait être bien que ça te revienne. C'était une leucémie galopante, une petite fille, 12 ans. Les grands yeux noirs en amande, un crâne parfaitement chauve. Ok, oui, c'est moi. Pourquoi? Vous êtes juste pas bien. Demande de la famille. Ils préfèrent la transférer ailleurs. Où? Dans le sud, à un centre spécialisé. Un mouroir. Non, mais cet hosto, c'est pas possible. Ça sent le profit avant de sentir la morphine ou l'éther. Non. Ça faisait des mois que j'y pense. Je pars aujourd'hui. Bon, tu vois quoi? De l'eau, c'est bien. Juste de l'eau, t'es sûr? Bah ouais, faut que je parte. Ouais, enfin c'est triste. Non, mais c'est juste qu'on vient de se faire 2 heures à se transporter les meubles et la flotte, il n'y a que ça pour te rafraîchir, quoi. Tu me trouves moche. Tu me trouves trop jeune, c'est où ça t'ennuie qu'une femme te drague, c'est... Maintenant, si tu veux partir, tu peux.